J'arrête de dire petit à chaque fois. Ça a l'air franchement sympa. C'est développé par des Bretons, Pixel Nest. Et c'est plutôt joli. Du shmup, du shoot des maps, pardon. Dans l'espace, en gros pixel. Avec des éléments de rogue. Jouons. Alors, vaisseau. Donc on a le choix pour plusieurs vaisseaux apparemment pour l'instant. On voit qu'il y a plusieurs vaisseaux disponibles, moult débloquables. Et on a juste accès à Tempest. C'est un vaisseau équilibré et polyvalent. Allons-y. On se fait défoncer la gueule. Parfait. Ça commence fort bien. Ah mon dieu, est-ce que je suis prêt pour ce genre d'expérience? Mais comment je vais faire là? Comment je... Ah comme ça, faut passer longtemps. Ouh, ça devient... Un TARDIS? Pourquoi il y a un TARDIS? Allô? Est-ce que ces gens seraient fans de Doctor Who par hasard? Tu vas crever sur le premier boss, enculé! Regarde ce que tu fais. Voilà. Oh, je l'avais jamais vu lui. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, il y a plusieurs boss. Au premier coup, on peut avoir 4 boss différents, et ainsi de suite. Au deuxième coup, 3 boss différents. Au troisième coup, 2 boss. Quatrième coup, 2 boss. Ça peut être cool, hein, ça évite d'avoir un jeu trop linéaire. Et après, on a d'autres modes aussi. Alors, coop, bon, forcément, comme son nom l'indique, coop. Arène, je pense que c'est une sorte de... Mais arène, je ne sais pas ce que c'est. Défi quotidien, il faut jouer 10 parties. Et après, comment débloquer les autres vaisseaux? Oh, on y a déjà accès. Armure blindée, lent et inflige moins de dégâts. Vers l'infini! Oh, il est tellement bien ce jeu, tellement bien. Oh, je suis fan, ça y est. Merci Pixel Nest d'avoir développé ce jeu. Ah, le cargo. Vite, j'aimerais bien débloquer mon arme s'il vous plaît. Merci, qu'est-ce que c'est? Fusion Hyper Blaster. C'est pas mal hein ça. Alors j'ai l'impression que plus tu tires avec cette arme en fait, et plus elle part en vrille. Et aller par petites salves de cette manière. Ouais. En fait, plus tu tires, plus ça part en vrille au niveau des. Comme un fusil à pompe en fait. C'est poussé au fur et à mesure. Plus l'arme chauffe, plus elle part sur les côtés. Parfait, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut avoir un boost pour les. Oh, technologie alien inconnue. Est-ce qu'on ferait pas ça? Si, on va faire ça. Ancien pouvoir. Ancien pouvoir. Allons-y. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et je me battrai sans répit. Putain, c'est moi qui fais ça ou pas? J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Oh, à l'aide. Oula, putain, non, ouais, c'est chaud là. Chaud à esquiver ces trucs là. C'est pas moi qui fais ça. À l'aide! Ah mais vas-y, comment j'évite ça moi? Je prends trop cher, c'est pas possible. Oh, mais comment tu voulais éviter ça? C'est trop chaud. Je sais pas combien il y a d'armes dans le jeu, il doit y avoir une trentaine à la base je crois, et ensuite ils en ont encore rajouté récemment, il y a une grosse mise à jour du jeu. Stasis bot. Oh non, c'est un bot, non, attends, faut que je laisse pas tranquille. Je ne t'aime pas, personne n'aime les bots. Encore que, ça fait des dégâts. Hein. Oh, 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 c'est pas mal, hein. Oh, c'est agréable. Après, il y a une histoire de résistance aussi des ennemis. Chaque ennemi a ses résistances aux armes. Il y en a qui vont plus être résistants aux armes à balles, comme lui, parce qu'il clignote en violet. Par contre, il sera... Oh, si, ça va, il se prend quand même bien cher du laser aussi. Hein. Et je suis mort. Ah, oh, quoique, si, ça peut faire le taf. Ça ne ralentit pas, donc à partir de là, ça peut le faire.
Et ça a l'air de faire le taf, clairement. Clairement, ça a l'air pas mal du tout. Oh, il aime pas ce qu'il est en train de vivre. Donc il est plus sensible à mes tirs de boules, de balles, que de roquettes. Deuxième boss, plutôt avec des balles donc. Alors, réaction en chaîne, j'aime bien réaction en chaîne quand même. Les ennemis explosent en mourant. Ça va faire mal. Sweet, sweet, Fantadiano. Medikit. Ah oui, bon bah, allons-y. Le coup des ennemis qui explosent, c'est quand même très cool. Les vagues sont pas super grosses. Mais bon. Ah, oui, c'est lui. Je me souviens de toi, je me rappelle de ce qu'on a vécu ensemble. Oui, le gros laser. C'était lui le gros laser. Ouh là 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 là. Et mon stick qui fait de la merde, du coup je me déplace automatiquement. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est ça. Ah mais il a l'air de tanker hein, à mort. Ah là là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ce que je vois du tout. Merde. Putain, fais gaffe, connard. Ah. C'est pas... Oh, bonsoir. Oh, il est vénère. Ah, il est... Putain de merde, il est vénère. Il va refaire un gros laser, c'est ça? Non, pas du tout. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est bon ça, c'est bon. Restez un PV hein, quand même, on est content que ce soit fini. Oh, à l'aide. Alp, 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 je suis pas prêt, je regardais pas. Oh, putain de merde. C'est abusé. Oh, un croiseur. Un type sympa. Bonjour. Oh, 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 oh. Oh, mais il a pas l'air très sympa, hein. Je crois qu'on m'a menti. Oh là 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 là. Oh, il est chaud lui, hein. Lancez le défi du jour. Lançons le défi du jour. Essayons de voir ce que la vie a à nous proposer. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau de merde que j'ai? Encore que le feu, ça a l'air puissant contre un certain nombre d'enculés. Et let's go, pour le plaisir. Pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est? Attention, super chabal. Mon fucking god, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la première fois que je croise ces événements aléatoires, on dirait. Pourquoi je me prends pas de dégâts quand je me le prends dans la gueule? Ça n'a aucun sens. Ok, facile à esquiver. Les patterns de base, on s'emmerde. Bah c'est cool qu'il y ait des événements aléatoires comme ça. C'était inattendu, mais intéressant. Il a pas l'air très puissant, le chabal, hein. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? À l'aide. Je n'aime pas ce que je vois. Ouh, ouh, on l'a eu, on l'a eu. C'était son champ du cygne. Regardez, il y a ses moteurs qui restent là. Oh, oh, c'est quoi ces bonus de fou? Mets le feu à l'envers, beaucoup plus de rochers. Non merci, plus rapide qu'une balle laser. Amélioration supplémentaire à chaque boss, plus de bullet suicide. Le marteau de la gloire super massif. Empare-toi du marteau et ressens sa toute puissance. Ne me dites pas les chances. Beaucoup plus de dégâts, moitié moins de vie. Non, non, ça va. Mieux vaut tard que jamais, ne fais rien. Non, ça me va dans l'absolu. Avenir incertain, amélioration gratuite, moins de choix ensuite. On va prendre plus rapide qu'une balle laser. Venir avoir plus de choix. Oh putain, il y a ces réacteurs qui vont rester à tout jamais. Je ne sais pas par quel miracle. Mais le fait est que je ne suis pas encore mort. Comment je vais passer ça? Comment je vais passer ça? Je ne pouvais pas. Allons-y, frag missile. Excellent les frag missiles, excellent. Oh, bonsoir. Qui es-tu? Ultra beam. Ouais, ultra beam. Oh, 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 j'ai joui. Est-ce qu'on peut l'attaquer lui? Est-ce qu'on peut lui faire beaucoup, beaucoup mal comme ça? Déjà?
Oh, il me déçoit beaucoup. Allez, au revoir. Impaler, l'empaleur. Ah donc ce sont des dégâts pénétrants, je pense, du coup, qui passent à travers les ennemis. Est-ce que je vous fais un empalage cadeau? Comment? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Astéroworm, maman n'est pas contente. D'accord, bah moi non plus, on peut pas être toujours content dans la vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors théoriquement, si on reste en haut de l'écran, on a moins de... Allez, là. Moins de chance de se prendre ces trucs à la con dans la gueule. En même temps, on a moins de chance de la toucher aussi, donc... Oh non, pas ça. Pas le droit de me faire ça, tu n'as pas le droit de me faire ça. Je refuse que... Aïe. Arrête! Qu'est-ce que je t'ai fait de me balancer ta merde là? À l'aide! C'est bon? Oh, c'est bon! Parfait, on a crevé à Astéroworm, c'est merveilleux! Comment prendre le marteau de la toute-puissance? Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je peux avoir qu'une arme? Oh, c'est nul! Ça peut one-shot, mais c'est pas fou. Ok, le cruiser, je sens qu'on n'a pas le temps. D'accord, bon, donc le marteau continue à lui faire des dégâts non-stop. Pas mal, au final. Oh, il m'a défoncé. Eh merde. Qu'est-ce que c'est ? Aliens rat. Attiré par toi. D'accord. Bien, soit attiré par moi. Ah, il va nous faire son truc de mort. Oh non, c'est bon. Au revoir. Bonne soirée. Oh putain de merde. Un double boss. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il va me tirer dessus. Non, mais oh là là, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce shmup, de ce petit stéréden breton, stéréden qui veut dire étoile, hein, d'ailleurs en breton pour votre information. Jeu dynamique, petits aspects roguelike par le fait de récupérer et de débloquer des armes au fur et à mesure. Énormément d'armes apparemment, qui ont d'ailleurs des niveaux d'efficacité plus ou moins élevés. On remarquera que les lance-flammes ou les roquettes à tête chercheuse sont quand même beaucoup plus efficaces que les armes de corps à corps. Pas mal de vaisseaux à débloquer, des musiques excellentissimes. Point négatif, j'en vois vraiment pas des masses. Une difficulté peut-être un petit peu mal dosée par moment. On peut avoir des niveaux relativement simples et des boss avec des patterns complètement débiles. Patterns qui sont par contre excellents, hein. Une fois que tu les connais, c'est jouissif d'arriver à passer au-dessus. Et quoi d'autre? Bah je sais pas, honnêtement je pourrais pas dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de télécharger ce jeu sur Steam et de l'acheter et d'y jouer parce qu'il est vraiment très bon. Et merci de laisser des pouces bleus, des commentaires, de dire ce que vous pensez de mon travail, de retrogames.fr. Et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, des bisous.